Tac. Bien. Oh putain, merde, oui, d'accord. Bonjour les amis. Donc bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de X-Boy 204. Donc aujourd'hui, un sujet spécial, comme beaucoup de fois en ce moment d'ailleurs. Vous avez dû remarquer que sur mes vidéos, j'ai rajouté vlog sur devant certaines vidéos, notamment Planète Scube, les Français dans la guerre de sécession. Et d'autres sujets en dehors des sujets principaux de ma chaîne et de la team Manavar, vous voyez. Donc du coup, j'ai mis vlog parce que c'est plus particulièrement des vlogs. Donc cette vidéo ne contiendra pas le mot vlog de vente, simplement parce que je vais parler d'abord le grand sujet de cette vidéo, c'est la page Facebook. Oui, j'ai ouvert une fan page Facebook pour vous les amis, qui est en ce moment d'ailleurs, si vous regardez bien dans ma bannière de chaîne, vous avez Google Plus et juste à côté ma page Facebook, vous avez juste à cliquer dessus. Donc je l'ai créé hier. Je l'ai créé hier dans le but de pouvoir vous permettre de me suivre continuellement. Genre quand vous voulez savoir quand est-ce qu'il y aura une prochaine vidéo, bah vous aurez juste à aller sur cette page, ça sera indiqué, vous voyez. Comme là vous voyez, ça fait une semaine que j'ai pas refait de vidéo, bah vous saurez quand est-ce qu'il y en aura une autre, machin, ça. Tous les projets Manavar, parce que cette page Facebook sera dédiée à X-Boy 204, mais aussi à Manavar, parce que X-Boy 204, Manavar dépend de X-Boy 204 en ce moment, parce que bah, voilà, c'est X-Boy 204 qui est à la tête. Mais plus tard, évidemment, quand Manavar sera bien développé, on aura notre chaîne commune. Et cette chaîne commune sera, une fois que cette chaîne commune sera ouverte, Manavar aura sa page Facebook dédié entièrement à la team tout seul, voilà. Donc on aura peut-être chacun, vu qu'on aura chacun sûrement notre chaîne, notre chaîne personnelle, moi je l'ai déjà, hein, vous voyez. Bah, on aura peut-être chacun notre, bah, moi déjà, moi, hein, puis on aura les deux autres membres, donc Equipe77 et Moto95, auront peut-être leur page Facebook à eux aussi. Donc voilà, donc en fin de vidéo, je vais vous montrer cette page Facebook, donc il y a le lien dans la description, logiquement. Donc cette page Facebook bah, vous permettra aussi, notamment peut-être, je dis bien peut-être, de relancer mes lives sur Twitch. Tout simplement parce que bah, je peux pas vraiment vous prévenir quand est-ce qu'il y en aura, donc cette page va me permettre de pouvoir vous dire, comme ça vous pourrez être sûr, comme ça vous pourrez être au courant sur le moment, et pouvoir venir sur les lives en temps voulu. Quoi d'autre je voulais dire un autre truc. Oui, ça y est, ça me revient. Ça me revient. J'ai effacé la vidéo qui date d'il y a un sacré moment, c'était l'ouverture de la page, pas une page, c'était carrément un compte, je suis tellement débile que je savais pas, je sais que depuis hier qu'on peut faire, que je pouvais faire ma page Facebook. Alors, je le savais mais je savais pas que c'était, enfin, moi j'avais fait un compte, j'avais fait le compte XboyXboy, vous vous rappelez, mais ce compte j'avais perdu le mot de passe, je savais même plus comment me reconnecter, donc ce compte, si vous regardez bien dans les vidéos de ma chaîne, la vidéo n'est plus apparente pour vous parce que je l'ai bloqué, voilà, ça sert plus à rien. Par contre, celle-là va vous permettre de vous informer à propos de cette page Facebook, peut-être que vous savez déjà, hein, en voyant le petit truc en haut. Et vous êtes en train de vous êtes actuellement en train de vous poser une question. Pourquoi ai-je ça à la main? Petite parenthèse, comme d'hab, dans chaque vidéo, j'en fais une. Pratiquement, sans le vouloir. Il m'arrive une petite tuile, hein, rien de très grave. Je me suis pété le doigt, mais pas... là, on a l'impression que je me suis pété toute la main. Non, pas du tout. Je me suis pas pété le doigt en deux, hein, vraiment pété, hein, je me suis juste pété en fait le petit bout d'articulation sur le côté. Donc il y a juste un petit morceau un petit morceau de pété en fait. Mais du coup, bah, ils m'ont mis ça, même si c'est pas très utile, parce que figurez-vous que j'ai passé, quand ça m'est arrivé, c'était le jeudi soir, j'ai passé toute la nuit la main comme ça, le lendemain matin aussi, toute la matinée comme ça, sans rien. J'ai même coupé du bois avec une scie, ça m'avait pas forcément, j'avais mal, mais sans plus. Et du coup, à l'hôpital, j'ai vu que c'était cassé, donc j'avais pas. Donc voilà, c'est pour ça, hein, c'était pas fait exprès dans la vidéo de grande guerre, donc je vais faire allusion tout de suite. Dans le teaser d'ailleurs, que vous avez dû sûrement voir, c'est pas fait exprès, c'est parce que j'ai vraiment quelque chose. Donc je m'en suis servi, hein, autant s'en servir. Donc, voici le sujet, donc je vais vous parler aussi, c'est Grande Guerre. Donc voilà, il y a une série qui va se lancer, une série Manavar, hein, du coup, comme pour Parlons Comics. Grande Guerre, qui sera basée sur le jeu Soldat Inconnu, un jeu excellent de Ubisoft. Oui, Ubisoft, ce qu'on fait, Rayman et Assassin's Creed. Ils ont créé leur propre style de jeu dans ce jeu. On peut comprendre la guerre, la première guerre mondiale, tout en ayant un style cartoonesque, et c'est super intéressant, et c'est super agréable à jouer. Limite, on regarde un film en jouant, donc je vais vous offrir cette satisfaction en testant ce jeu devant vous, qui sera une série ainsi sous peu, mais je voulais vous prévenir, il y a le teaser pour vous prévenir.
mais ça ne veut pas forcément dire que dans les jours à suivre, il y aura le premier épisode. Ça peut être dans quelques semaines ou dans même voire quelques mois, voyez. J'ai juste prévenu qu'il y aura sûrement une série basée sur Soldats Inconnus. Voilà. Où est-ce que je l'ai mis ? Ah, voici un tout petit sujet, donc... après ce sujet-là, donc je vais faire allusion, il y a un autre sujet plus délicat. Je vais vous parler, mais c'est pas sûr du tout. Vous inquiétez pas, il y a rien de très grave. Tout d'abord, une petite parenthèse Minecraft. Oui, les amis, j'ai été assez estomaqué de trouver ça dans un marchand de journaux. J'ai trouvé le guide ultime Minecraft. Bon, non, pas le guide ultime, les mecs. Hein, je veux pas dire. Parce que bah nous, en tant que grands joueurs de Minecraft, avec Ethic77, on l'a regardé un peu, enfin, j'en ai parlé, tout ça. On a rigolé, parce qu'il y a des trucs vraiment débutants, genre comment faire un golem de fer, donc bah, ça tout le monde le sait. Comment, la pire connerie que j'ai vue dans ce truc, c'était comment survivre, comment manger, c'était ouais, comment manger, tu butes une vache, hein, voilà. Ou un cochon, c'est selon ton choix, mais voilà quoi. Mais bon, sinon, non, il est bien, parce que vous avez plein de ressources. Qui vous, tu vois, ça fait bizarre de voir ça en dehors d'internet. Donc vous avez plein de ressources, des modpacks qui vous proposent, même ils parlent de youtubeurs à la fin, des gamers de Minecraft comme nous d'ailleurs. Ça parle de toute console. PS4, Xbox One, PC, je vous en dirai tout de suite. PS3, 360, PS Vita, iOS, Android. Pour ceux, donc du coup je vous montre aussi ça, parce que pour ceux qui veulent se lancer à Minecraft, si vous regardez la vidéo, pour ceux qui veulent se mettre à Minecraft, bah je peux vous conseiller vivement de le prendre, hein. Je veux pas faire de la pub, mais je peux vous conseiller de le prendre, tout simplement ça pourra juste vous aider, voilà, vous aider. Donc un conseil, si vous voulez jouer à Minecraft, jouez sur PC, c'est le meilleur, voilà, vous avez tout est très 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 vaste. Il y a plein de possibilités sur PC. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Un conseil de youtubeur, gamer, tout ce que vous voulez. Membre de Team Manavor, voilà. Et d'ailleurs, au passage, on va vous dire quelque chose. Dans quelques années, nous avons le projet avec Ethic77, donc la Team Manavor carrément, de faire notre propre guide Minecraft pour vous, les amis. Oui, avec notre point de vue à nous, de la team. Nous allons faire notre guide. Donc là, vous voyez, guild ultime, on rigole. Mais nous, on va faire notre propre guide, et franchement, ça sera même pas sous forme d'un catalogue. On a le projet carrément de le faire sous forme de limite livre. J'en avais déjà fait allusion à Ethic77, mais je m'en reparlerai plus tard quand on se rappellera. Lui qui est fort, très fort, c'est un spécialiste de Minecraft dans la team, comme bah, un peu tout le monde, mais surtout lui. On va pouvoir s'amuser, je pense. Et comme ça, bah, lorsqu'il sortira, ça sera sûrement en librairie plus tard. On n'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pour l'instant de côté. Mais on a le projet, voilà. Et ça sera sous forme d'un livre, on va dire. Donc, bah, il y aura tout ce qu'on connaît sur la redstone, comment faire un canon TNT, bon voilà, plein de choses comme ça. Il y aura genre 2-3 pages pour les débutants, mais la suite, ça sera tous les trucs de ouf qu'on aime faire, les petites anecdotes, les petites nouvelles sur nos serveurs et tout ça. Voilà, plein de choses. Plein de petites choses qu'on nous allons... faire allusion dans notre propre guide Minecraft. Donc je voulais faire aussi un petit coucou. Ah non, attendez. Pour vous dire, ça fera partie des archives Minecraft. Des archives Manavor. Je vais pas y arriver. Archives Manavor qui fait partie notamment de la bibliothèque Manavor, donc j'ai déjà fait allusion dans certaines vidéos. Donc maintenant, je vais y arriver. Je voudrais faire un petit coucou, hein, c'est rien de très important, mais enfin si c'est important quand même. Un petit coucou à V pour Valentin, je veux pas faire de pub, hein, mais si vous voulez aller voir ses vidéos, peut-être que vous connaissez déjà, c'est un bon youtubeur, un des plus vieux en France, et il a commencé en 2006, ça j'avais eu sur sa chaîne. Et je le regarde depuis à peu près cette époque-là, je regarde depuis 2007 ses vidéos, ou 2008. Il est super bien, c'est son activité principale, il est connu pour faire les 2 minutes du peuple, donc vous connaissez peut-être, hein, ça doit vous revenir. Et j'ai beaucoup parlé avec lui, parce qu'il est fan de comics. Lui, c'est plus DC, moi, c'est plus Marvel. Mais on s'entendait bien sur tout ce qui était comics et tout ça, notamment Watchmen, Batman. Enfin, je vais pas vous dire plus, parce que c'était, voilà, de privé, on va dire. Mais voilà, j'ai parlé avec lui, c'est quelqu'un de super sympa. Je voulais lui faire un petit coucou dans cette vidéo, voilà. Et lui dire que, bah, que c'est super et que bah, je regarde souvent, voilà. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse, histoire de faire coucou à un collègue. donc là, je vais attendre le sujet un peu plus délicat. Comment dire ? Vous connaissez Tipeee ? Tipeee, le site Tipeee qui vous permet d'avoir... comment dire ? Qui vous permet d'avoir des choses.
En fait, c'est un site que si vous connaissez déjà, c'est un site qui vous permet de récolter des fonds par des gens qui vous suivent ou qui vous suivent pas, peu importe, pour pouvoir se procurer toutes sortes de choses, peu importe le projet. Donc, je préfère mettre les choses au clair, je n'oblige personne. D'ailleurs, je crois que je vais peut-être même, je sais même pas pourquoi j'en parle, parce que j'ai peut-être même abandonné ce petit projet-là, parce que j'ai eu un message de Tipeee ce matin. Il y a des contraintes à respecter qui sont pas trop possibles dans mon... à mon insu, hein, on va dire. Donc voilà, ça va être chaud. Si jamais ça devait être lancé, je vous tiendrai au courant. Mais c'est tout simplement, je l'ai lancé tout, dans le but de pouvoir avoir de l'aide de la part de n'importe qui, hein, peu importe, afin de pouvoir me procurer du meilleur matériel pour la qualité vidéo et son, afin de vous procurer à vous, de vous offrir à vous plutôt, du meilleur contenu vidéo. Voilà. Mais par contre, je n'oblige personne. Mais alors là, mais personne. Sachant que c'est pas encore lancé. Ça va peut-être pas être lancé, je vous tiendrai au courant, sur ma page Facebook notamment. Mais aussi en vidéo, dans la prochaine vidéo. Vous êtes pas obligé, franchement, je peux vous assurer. Vous pouvez même l'oublier, ce truc-là. C'est juste si vous voulez m'aider ou pas, hein. Peu importe, c'est pas très grave. De toute façon, j'économise depuis longtemps pour ces choses-là. Mais c'était surtout pour avoir une aide supplémentaire par Tipeee. Sinon, c'est pas grave du tout. Voilà. Si vous voulez oublier ça, oubliez-le, c'est pas grave, c'est j'oblige personne. Moi, j'aime pas faire du business, je ne vois pas l'intérêt de faire des choses juste pour le business, vous voyez. Donc voilà, je n'oblige personne, je préfère vous prévenir tout de suite. Donc voilà, Tipeee, un tout petit projet de côté, histoire de pouvoir m'aider à me procurer du meilleur matériel afin d'avoir du meilleur contenu, du matériel plus fiable, je vais y arriver. Mais voilà, c'est peut-être pas lancé, hein. Je vais vous dire, je pense que ça va pas être lancé. Voilà, je préfère vous tenir au courant et vous mettre en confiance. Il n'y a rien de... pas pour vivre ni quoi que ce soit, c'est juste pour du matériel, c'est une histoire de matériel, matos, voyez. Pas besoin de... voilà. Hein. Donc si vous voulez, si jamais c'est lancé, ça sera à votre disposition, mais pas besoin de... pas... vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé du tout, hein. Vous pouvez même l'ignorer, ça sera pas grave, je vous en voudrais pas, hein. Vous inquiétez pas, je veux pas faire le mec qui fait ça que pour l'argent, non, c'est juste pour avoir de l'aide, hein. Voilà, vous inquiétez pas. Donc, ah oui, j'ai reçu ça en fait, j'avais oublié. Les amis, j'ai reçu une relique de l'histoire du comics. Je compterais bien vous la montrer maintenant. Haha, vous y avez cru? Eh ben non, c'est pour le prochain Parlons Comics. Eh oui les amis, c'est comme ça, hein, vous inquiétez pas, vous allez le voir ce comic, vous inquiétez pas, vous avez peut-être déjà deviné ce que c'est, mais c'est pas très grave, c'est pour plus tard. Bien, maintenant passons à la démonstration de cette fameuse page Facebook dont que j'ai créé pour vous, voilà. Donc voici la page Facebook en question. Vous voyez, je vous ai dit, il y a l'événement de l'ouverture de la team Manavor. Vous voyez, je monte ça comme ça, je suis désolé, c'est peut-être plus simple. 17 janvier 2014, Manavor, nous avons créé la team. Les photos pour l'instant postées, évidemment, pour que ce soit évidemment reconnaissable. Là, nous avons, vous voyez, il y a 5 j'aime déjà, donc j'attends les vôtres. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligés. Xboy204 communauté, donc j'ai trouvé que ça comme vous voyez. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a que, alors normalement il y a j'aime, c'est juste que là c'est mon compte, donc je peux pas, il y a pas j'aime. Donc vous voyez, il y a que inscription et partagé. Donc moi je cherche à mettre abonné à la place d'inscription, mais bon, pour l'instant ça cherche. Donc voilà. Donc vous avez juste mettre, normalement vous voyez j'aime. Donc vous avez juste, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire. Donc vous avez juste à vous inscrire. À mettre j'aime, plutôt j'aime si vous voulez, hein, juste j'aime vous pouvez, ça vous de toute façon ça vous donnera quand même des actualités du jour. Voilà, vous avez juste à aller sur ma page Facebook, à laisser un petit like, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo les amis, et bonnes vacances tout le monde, et abonnez-vous à la chaîne. Voilà les amis, au revoir.